I believe I can fly. Coucou. Alors, aujourd'hui, je vous prends pour mes retours de course de début juin. Donc, comme d'habitude, ça sera en plusieurs parties. Là, je suis allée à Lidl. Demain, j'irai à Leclerc et après-demain à Auchan. Donc, on va commencer par Lidl. À partir d'aujourd'hui, hein, on est mercredi 5, c'est la semaine italienne. Donc, j'ai pris quelques petites choses. Donc, la sauce aux 4 fromages. Elle est très bonne, elle est pas chère. Avec des pâtes, c'est génial. Il y a 340 grammes. Et en plus, il y avait une promo. Donc, la sauce, elle est à 1,79€. Et si vous preniez une deuxième, vous aviez moins 72 centimes. Voilà, donc ça revient vraiment pas cher. Il faut aussi en carbonara, mais moi je préfère fromage. Voilà. Ensuite, je me suis aussi laissé tenter par d'autres sauces. Donc j'ai pris une sauce tomate au thon. Voilà, donc c'est dans la même gamme, hein. C'est la même quantité. Sauce tomate au thon. 1,49€ ainsi qu'une sauce tomate à la ricotta. Voilà, pareil, 1,49€. Il y avait encore d'autres sortes, hein, mais bon, j'allais pas non plus en prendre une tonne quoi. Déjà là, ces 4 sauces, ça va nous faire un petit moment. Ensuite, pareil, dans la semaine italienne, ça faisait un moment que je voulais goûter. La dernière fois, il n'y en avait plus. C'est pour ça que là, j'y suis allée directement ce matin. Tartufo au chocolat. Bon, désolé, il est un peu abîmé, le papier. Voilà, c'était yaourt au chocolat. Qu'est-ce qu'ils disent? 57% mousse au cacao, fourré de 41% de sauce au chocolat, décoré de 2% de préparation au cacao. Je vous en dirai des nouvelles. Ça me tente trop. Et j'ai payé 6 appels ça profiterole, j'ai payé 1,59, mais c'est pas des profiteroles hein, mais bon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite il y avait aussi une offre sur les tiramisu, moi je dis tiramisu parfois. Donc il y avait fraise ou framboise. J'ai pris 2 paquets à la fraise. Comme ça, on va goûter avec les enfants. Voilà. Donc, la promo, un acheté 1,39€. Et le deuxième, moins 56 centimes. Ça vaut le coup, hein. C'est tout pour la semaine italienne. Ensuite, alors, il y en avait encore. Les pains pita, comme ça. Il y en avait encore ail et coriandre de la semaine grecque. Dedans, il y en a 6 et ils sont super bons. Pas forcément pour faire des pitas. Hein. À un moment, je m'étais fait un bout avec juste de la vache qui rit. C'était délicieux. Donc, en plus, c'était le dernier, je crois. Donc, je l'ai pris, bien évidemment. Avec le goût d'ail et coriandre, c'est délicieux. Alors, pain pita, 1,49€. Il y en a 6. Ensuite, il y avait aussi une promo. Donc, j'ai pris des pommes noisettes. Voilà, pommes noisettes, 1 kg. Ah. Désolée, j'ai mal aux yeux en ce moment. Voilà, pommes noisettes. 1,88€, moins 29 centimes. J'ai repris, comme d'habitude, le gruyère. Gruyère aux 3 fromages, 200 grammes, à 1,98€. Le jambon, parce qu'il n'est pas très cher et généralement, il n'est pas très moche. Donc, jambon par 6 tranches, à 2,56€. Et pour terminer, les wraps, pareil, ils sont bons, ils sont pas très chers. Les 6 wraps à
1,95€. Donc pour Lidl, c'est tout. Et moi, je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Re, en fait, on est toujours le même jour. Je suis à la Leclerc quand même. C'est très rare que je bouge entre les midis. Mais je me sentais pas trop mal. Et je me suis dit, souvent, quand j'y vais tôt le matin, il manque des choses dans les rayons. Donc je vais tenter. Il manquait des choses dans les rayons. Voilà, ça m'agace. Bon, soit. J'ai pris un pack de lait, comme d'habitude. 6 briques de 1 litre à 5,04€. Croquettes pour Julie. Waouh, il y avait longtemps que j'en avais pas vu à Leclerc. Des Fido Croque Mix adultes. Parce que dernièrement, j'étais obligée de prendre des seniors. Il n'y avait plus adultes. Et adultes, c'est 3 kilos. Senior, c'est 2,5 kg. Ouais. J'ai payé 6,32€. Moi, j'ai remarqué, en faisant mes courses, que ce mois-ci, ça réaugmente. Voilà. Ouais. Bon, les croquettes pour Luigi. D'habitude, j'en prends deux, mais il n'en restait plus qu'un. Et en plus, il était caché. Donc, en attendant, j'en ai pris un. Des Purina spécial système urinaire à 2,73€. Ensuite, pour les enfants, du style Candy Up au chocolat. C'est la marque Repère, hein. Délice. Oui. Donc, il y a 6 briques. C'est 1,79€. D'habitude, ils font aussi en vanille, comme ça, en marque Délice. Mais là, il n'y en avait pas. Et vu que Aaron se régale avec ceux à la vanille, j'ai pris en Candy Up. Voilà. À 2,57€. Alors ensuite, ça va être mélangé, hein, vous m'excuserez. Alors, j'ai repris deux pots de mayonnaise Eco Plus, comme d'habitude, 470 grammes. C'est 1,35€ le pot. Si je peux cocher en même temps, ça serait cool. Ensuite, j'ai pris deux boîtes de pommes de terre, comme ça, en boîte. Marque Repère, c'est grosse boîte. Poids net, 800 grammes. Poids net égoutté, 530 grammes. Donc, il y en a deux. Et c'est 1,41€ la boîte. Une petite boîte de petits pois carottes, marque Repère, à 99 centimes. Une petite boîte de thon. J'avais vu ça sur le retour de Isan. Mamie Isan, il me semble. Ouais, en morceaux. C'est moins cher en morceaux que entier. Donc Eco Plus, pois net égoutté 130 grammes à 1,04€. Oula, j'empile. Des raviolis pour manger avec les enfants. Donc marque Repère, une grosse boîte, ravioli pur bœuf et une petite boîte. Pour nous quatre, il nous faut ça. Avec un bout de pain et puis du gruyère dans les raviolis, c'est nickel. Alors les raviolis, la grosse boîte de 21, la petite boîte à 42. Alors j'ai pris ça pour les enfants. De toute façon, je vous montrerai les petits desserts que je vous les montre souvent, les petits desserts. Donc Sunday Choco, nappage au chocolat, vainé, 350 grammes à 2,75. Je voulais pour faire de la crème pâtissière, mais j'ai pas trouvé. Des pâtes. Macaroni, 500 grammes. 79 centimes. Et mini coudrayé, 500 grammes. Marque Repère, hein, les deux. 1,02€. Ensuite, je vous en sors qu'une. J'ai repris pour les garçons deux bouteilles de jeans cola zéro sucre.
C'est des bouteilles d'un litre 5. Il y en a deux, hein. Et la bouteille, elle est à liquide. La bouteille, elle est à 47 centimes. Ensuite, je leur ai repris, pareil pour leur petit dessert, de la chantilly. Voilà. Chantilly Eco Plus. Ah. Voilà, je bug. La trouve pas. Attendez. Ah, voilà. Crème légère pression Eco Plus. 1,75. Je nous ai pris, parce que j'en ai envie, des espèces de napolitains. Voilà. C'est maxi format. Il y en a 10. Julie! Elle se mord encore. Julie! Donc, les espèces de napolitains. Julie! Je trouve pas. Ça y est, là, je commence à fatiguer. 2,88. J'ai repris pour les enfants des îles flottantes. Eco Plus. J'ai pas pris beaucoup de yaourts. Je prends au fur et à mesure. Parce qu'après, les dattes, ça va vite. Parfois, ils veulent pas les manger. Donc, j'ai pas pris énorme de yaourts. Là, déjà, ici, à Leclerc, j'ai pris que ceux-là. Ce matin, j'en ai pris quelques-uns à Lidl. Bon, soit. Et il m'en reste. Donc les 4 îles flottantes Eco Plus à 1,62€. Ça, toujours pour moi, dépanner de temps en temps. Elles sont super bonnes en plus. Marc Repère, les fusils au fromage à 1,89€. Ça y est, j'ai plus de place. J'ai pris de la piémontaise pour manger avec les enfants. À midi avec autre chose. Marc Repère, 500 grammes. Julie. Julie. Attendez, j'arrive. Voilà. Donc, la piémontaise. €2,20. Ensuite, les dés de jambon Eco Plus, parce qu'ils sont super bons. Voilà. 2 fois 100 grammes à 1,78. Et bah, d'habitude, je prends du blanc de poulet, mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris du blanc de dinde par 4 tranches. On verra bien s'il est aussi bon que le blanc de poulet. Eco Plus à 1,57. En plus, c'est plus cher que le blanc de poulet. Soit. Ensuite, j'ai pris du fromage. Comme d'habitude, le chèvre soignon. J'ai regardé ce matin à Lidl, il est exactement au même prix. Maintenant, j'ai fait deux fois là, du fromage pané. Vous le panez, c'est délicieux. Ou sur un toast que vous passez au four, c'est terrible. Donc, le chèvre de 18. J'ai repris un boursin Eco Plus. À 85 centimes et des fromages. Il y a même des poêles à Julie, alors que c'était dans le sac. Il y en a partout des poêles à Julie. Je vais secouer le clic-clac après. Voilà, fromage fondu, Eco Plus, à burger. 1,19. Je m'étais pris un Red Bull, début sur la route. 1,02€. D'habitude, je prends des sous-marques, mais la marque Leclerc qu'ils font, c'est trop sucré. Donc bon, je me suis dit pour la route, 1,02€. Hein. Voilà. Et pour terminer, eh ben, j'ai pris les beignets de calamar surgelés. Donc 500 grammes. Le mois dernier, j'en avais pas trouvé. À 2,59€. Sauf que ce mois-ci, ce que j'ai pas trouvé, c'est les nuggets. Génial. Donc, voilà. J'en ai eu pour 56 € aidés, pour presque rien. Ça augmente. Hein. Pourtant, j'ai pas fait de petits plaisirs. J'ai pas pris de gros trucs. Ça recommence.
J'ai pas trouvé mes protections, une fois de plus. Les nuggets, entre autres. Entre autres. Donc je vous retrouve demain pour Auchan. Bisous. Re. On est un peu clair là, non? On est forcé maintenant. Bon, je vous retrouve pour la dernière partie au champ. Il manquait des choses, j'ai oublié des choses. Je suis pas très en forme, donc j'ai eu du mal. Alors, j'ai pris un pack d'eau, 6 fois 2 litres, 1,50 €. Je l'ai laissé dans ma voiture. J'ai repris quand même un paquet de croquettes pour Luigi, hein, les mêmes qu'hier. Purina One spécial système urinaire, 450 grammes. À 3,03 €. À Leclerc, c'est une 30 centimes en moins. Enfin bon, faut bien le nourrir. Alors, faudrait peut-être que je fasse dans l'ordre du ticket parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, j'ai pris le cadeau de fête des pères pour leur père. Mais du coup, je vous le montrerai la semaine prochaine parce que je sais que ça lui arrive de regarder mes vidéos. Donc, autant garder le suspense. Pour les enfants, ça fait longtemps que j'aurais pas pris des petits saucissons, ils adorent ça. Donc, petit plaisir pour eux, moi j'en mange pas. Juste un bridou, bâton de berger mini, 10 bâtonnets environ. Voilà. 2,64 €. Ensuite, on a quoi? J'ai repris ça parce que j'ai goûté, bah, je vous l'avais mis dans mes derniers produits finis. J'ai goûté le mois dernier et c'était super bon. Une petite boîte cuisson vapeur thon à la calabraise. Donc c'est des pâtes avec du thon, des petits légumes. Et c'était bon, donc j'en ai repris un. Donc c'est pour une personne, hein, avec un bout de pain. 2,29 €. Ensuite, bah, comme pareil, il n'y en avait pas à Leclerc, j'ai repris mes protections. Voilà, Auchan Maxi normal. Il y en a 18 dedans. Deux paquets, c'est 1,37 € le paquet. Les baballes. J'ai racheté des mini balles, genre balles de tennis pour les enfants, en fait. Parce qu'à chaque fois, ils me les perdent. À mon avis, ça va dans le jardin à côté. J'ai des petites raquettes, j'ai, vous voyez, des trucs à scratch. Et ça, c'est nickel. C'était au rayon bah, des jeux d'eau en fait, où il y a les pistolets à eau et tout. J'ai payé 1,99 €. Je regarde dans mon sac, mais c'est là qu'il faut que je regarde. Ice tea pour Mia. J'ai repris une bouteille d'ice tea. Ah, thé glacé à la pêche. 2 litres. 97 centimes. Je nous ai pris une boîte de cassoulet qu'on mangera avec une boîte de pommes de terre. C'est nickel. Donc c'est une grosse boîte, 840 grammes. Je prends toujours celui-là parce que bah, il est bon en fait. Cassoulet Auchan, c'est mon préféré. Il y a du jus. Le jus, c'est pas de l'eau. Les haricots, ils sont pas durs. Voilà, c'est celui que je préfère. Donc le cassoulet 2,45 €. Du coup, pareil, en rapport, je prends toujours à Auchan aussi. Une petite boîte d'haricots blancs à la tomate. Marque Auchan aussi. 81 centimes. Ensuite, j'ai repris, comme tous les mois, deux saucissons halal au bœuf, comme d'habitude. Donc là, c'est au discount. Il y a 450 grammes. J'en ai deux et c'est 2,50 € pour un. Les saucisses par 10 à 1,26 €. Le chorizo, voilà. Il est très bon pour faire de la purée au chorizo avec des haricots blancs à la tomate. C'est super bon, je vous le conseille. Donc il y a 90 grammes
et c'est 1,22€. Je me suis pris deux cordons bleus. Je les ai pris au discount, tout simplement. Deux cordons bleus Dard à 1,65€. J'ai repris un boursin. J'en avais pris un hier, mais c'est pas grave. Toujours utile parce que les enfants adorent ça. Kenzo, alors lui, c'est son fromage préféré. À 85 centimes aussi. Et du coup, pour terminer, dans le prospectus, j'avais vu une nouveauté. Et ben, j'avais envie de tester. Alors, regardez. C'est une petite boîte. 150 grammes. Thon et boursin, persil, ciboulette. C'est une tartinade de thon. Voilà. Et il y avait une offre. Bah, j'avais pris des fois que je ne trouverais pas dans le prospectus. 1,85€ la boîte au lieu de 2,80€, quoi. Donc j'en ai pris deux pour faire les sandwichs de samedi midi. Ça nous changera un petit peu. Voilà. Bon. Mathieu, je doute qu'il en veuille. Kenzo, je sais pas, mais vu qu'il y a du boursin, c'est possible. Donc Mathieu, je lui ferai au saucisson et nous, on va goûter ça. Je vous le mettrai dans mes produits finis. Donc ça se trouve au rayon du poisson, quoi. Tartinade de poisson et tout et tout. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'en ai eu pour 43 euros. Il manquait la litière. La litière pour Luigi, il n'y en avait plus. Heureusement, il m'en reste un paquet et demi. Mais bon, moi je prends toujours celui d'Auchan. Parce que où que vous alliez ailleurs, que ce soit Leclerc, que ce soit Carrefour ou autre, c'est trois fois le prix. À Auchan, c'est 1,59 les 10 litres. Et elle convient très bien à Luigi. Bon, mon père, il y va une fois par semaine. Je lui demanderai qu'il regarde à l'occasion. Et j'en ai encore d'avance, mais bon, pas assez pour le mois. J'ai oublié de prendre les pains au lait pour les enfants. Je suis pas très bien, donc voilà. Bon, bah sinon, j'espère que ces retours de début juin vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Et vous inquiétez pas, j'ai un vlog qui va arriver normalement demain. Allez, à très vite!